Vous êtes fan de technologie, de créativité ou comme moi, vous avez eu le coup de foudre de la création de contenu? Alors vous êtes au bon endroit, car je vais vous présenter mon top 5 des logiciels de montage gratuits qui vous permettent de transformer vos vidéos brutes en chefs-d'œuvre du cinéma. Ou pas. Non, parce que franchement, il y a tellement de logiciels de montage sur le marché, on ne sait plus lequel choisir. Et surtout, quel est le meilleur? Le plus performant, le plus facile à utiliser, le plus adapté à vos besoins, et surtout, le plus gratuit. Et oui, parce que c'est bien beau de vouloir faire des vidéos de qualité, mais si c'est pour se ruiner en logiciel, bah ça vaut pas trop le coup. Heureusement, il existe des logiciels de montage vidéo gratuits qui vous permettent de faire des montages de qualité sans dépenser un centime. Bon, attention, tous ces logiciels gratuits ne se valent pas. Certains sont plus complets que d'autres, certains sont plus simples que d'autres, et certains sont carrément des arnaques. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo avec vos amis. Ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Merci d'avance. Alors sans plus attendre, passons au top 5 des logiciels de montage gratuits. Numéro 5, Windows Movie Maker. On commence avec un classique pour les newbies, les noobs. Le logiciel de montage intégré à Windows, j'ai nommé Windows Movie Maker. Ce logiciel est très simple à utiliser. Il suffit de glisser-déposer vos vidéos, vos photos et vos musiques, et de les assembler comme bon vous semble. Vous pouvez ajouter des transitions, des effets, des titres, des génériques en quelques clics. Vous pouvez aussi découper, recadrer, ajuster la luminosité, le contraste et la saturation de vos vidéos. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des montages basiques, mais efficaces. Le gros avantage de Windows Movie Maker, c'est qu'il est gratuit et qu'il est compatible avec tous les formats de fichiers. Le gros inconvénient, c'est qu'il est très limité en termes de fonctionnalités. Vous ne pouvez pas faire de montage multicaméra, de correction colorimétrique, de stabilisation d'image ou de montage en 4K. Et surtout, il n'est plus mis à jour depuis 2017, ce qui le rend obsolète et vulnérable aux bugs et aux virus. Donc si vous voulez un logiciel de montage gratuit, simple et rapide, Windows Movie Maker peut faire l'affaire. Mais si vous voulez un logiciel de montage plus performant et plus sécurisé, passez votre chemin. Numéro 4, iMovie. On continue avec un autre classique du genre, le logiciel de montage intégré à macOS, j'ai nommé iMovie. On continue avec un autre classique du genre, le logiciel de montage intégré à macOS, j'ai nommé iMovie. Ce logiciel est très similaire à Windows Movie Maker, dans le sens où il est très facile à utiliser et qu'il offre les fonctionnalités de base du montage. Vous pouvez importer vos vidéos, vos photos et vos musiques et les assembler comme bon vous semble. Vous pouvez ajouter des transitions, des effets, des titres et des génériques en quelques clics. Vous pouvez aussi découper, recadrer et ajuster la luminosité, le contraste et la saturation de vos vidéos. Le gros avantage d'iMovie, c'est qu'il est gratuit et compatible avec tous les formats de fichiers. Malheureusement, il n'est disponible que sur les appareils Apple, ce qui le rend inaccessible aux utilisateurs de Windows ou de Linux. Donc, si vous avez un Mac, un iPhone ou un iPad, et que vous voulez un logiciel de montage gratuit, simple et rapide, iMovie peut faire l'affaire. Mais si vous voulez un logiciel de montage plus performant, alors la suite de cette sélection va vous plaire. Numéro 3, Shotcut. On monte d'un cran avec un logiciel de montage plus avancé, j'ai nommé Shotcut. Ce logiciel est un logiciel de montage open source, c'est-à-dire qu'il est développé par une communauté de bénévoles et qu'il est entièrement gratuit et modifiable. Ce logiciel est plus complexe à utiliser que les précédents, mais il offre aussi plus de fonctionnalités. Vous pouvez importer vos vidéos, vos photos et vos musiques, et les assembler sur une timeline multipiste. Vous pouvez ajouter des transitions, des effets, des titres et des génériques en quelques clics. Vous pouvez aussi découper, recadrer et ajuster la luminosité, le contraste et la saturation de vos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Contrairement aux deux logiciels précédents, avec celui-ci, vous pouvez aussi faire du montage multicam, de la correction colorimétrique et de la stabilisation d'image. Et du montage en 4K! Bref, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire des montages professionnels et personnalisés. Parmi ses points forts, je peux citer bien évidemment sa gratuité, sa compatibilité avec tous les formats de fichiers. Shotcut est un logiciel de montage gratuit, performant et modifiable, qui vous permet de réaliser des vidéos de qualité. Mais attention, ce logiciel n'est pas sans défaut. Il vous faudra un peu de temps pour le maîtriser, car son interface n'est pas très intuitive. Il vous faudra aussi un ordinateur puissant, car il consomme beaucoup de ressources. Et surtout, il vous faudra sauvegarder régulièrement votre travail, car il peut bugger et se fermer sans prévenir. Et cela m'est arrivé pas mal de fois, et franchement, ça fait chier. Alors si vous êtes prêt à relever ces défis, Shotcut est le logiciel qu'il vous faut. Numéro 2, DaVinci Resolve.
On arrive au podium avec un logiciel de montage très puissant, j'ai nommé DaVinci Resolve. Ce logiciel est un logiciel de montage professionnel utilisé par les studios de cinéma et les chaînes de télé. C'est un logiciel très complet et très polyvalent. Vous pouvez aussi faire du montage audio, de l'étalonnage, des effets spéciaux et de l'animation. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire des montages de qualité cinématographique et créatif. DaVinci Resolve est compatible avec tous les formats de fichiers, mais il est très complexe à utiliser et nécessite une très bonne configuration de votre ordinateur. Et surtout, il n'est pas totalement gratuit, car certaines fonctionnalités sont réservées à la version payante, qui coûte 275€. Donc si vous voulez de la qualité avec une version gratuite, DaVinci Resolve est le joujou qu'il vous faut choisir. Numéro 1, OpenShot. Et enfin, on arrive au numéro 1, le logiciel de montage que je vous recommande le plus, j'ai nommé OpenShot. Ce logiciel est un logiciel de montage open source qui vous permet de faire des montages de qualité et originaux. OpenShot est gratuit, mais n'a pas autant de fonctionnalités que DaVinci Resolve. Mais il reste très complet et polyvalent. Vous pouvez faire du montage multicaméra, de la correction colorimétrique, de la stabilisation d'image et du montage en 4K. Vous pouvez aussi faire du montage audio, des effets spéciaux et de l'animation. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire des montages de qualité et créatifs. Et le meilleur, c'est qu'il est très facile à utiliser et qu'il ne nécessite pas une grande configuration très puissante pour votre ordi. Et surtout, il est très stable, il ne plante pas. Donc si vous voulez un logiciel de montage gratuit, performant et fiable, OpenShot est le logiciel qu'il vous faut. Voilà, c'est la fin de ce top 5 des logiciels de montage gratuits. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé le logiciel de vos rêves. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me montrer vos montages. Et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas non plus à me les poser. Je vous répondrai avec plaisir.